Des portes closes et une affiche fermée jusqu'à nouvel ordre. Pas de cours aujourd'hui donc au collège des Tuileries. Hier vers 14h30, la foudre s'abat violemment sur l'établissement. Les dégâts sont essentiellement matériels, les systèmes électriques sont HS. On a entendu un gros boom. Après on s'est dit mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait c'est un arbre qui est tombé sur la cantine et dans le gymnase il y a eu un éclair qui est passé dans le gymnase. Peu de victimes mais quelques crises d'angoisse et d'épilepsie. Un enfant a reçu des éclats de verre et a été conduit à l'hôpital. J'ai un copain qui était terrorisé parce qu'il l'a vu l'orage tomber. L'impact a été ressenti plusieurs centaines de mètres aux alentours de l'établissement. J'étais chez moi, bon, fenêtre fermée, mais pareil, l'impression d'un grand flash qui passait à travers la fenêtre. Ça fait peur, c'est impressionnant, j'ai entendu les bris de verre, j'ai cru que c'était chez moi, j'ai tout vérifié, c'était pas là, donc c'était sur le collège. Et non, c'était impressionnant. Des réparations vont être entreprises au sein de l'établissement, les 700 élèves devraient rapidement retrouver leur classe. En attendant, une permanence est assurée.